Hey, salut à tous, c'est Naftani, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode d'Hitman Absolution. Et on se retrouve aujourd'hui pour la mission Terminus. Et donc je lance tout de suite la cinématique et on se retrouve après ça. Attendre. Mais quoi? Il vous reste une chance. J'aurais pu envoyer une équipe de nettoyeurs, mais c'est une mission pour un scalpel. Ah, pourquoi vous avez fait ça? Elle ne doit pas devenir comme vous. Emmenez la fille. Refusez. Je ne veux plus faire ça. Oui. Hôtel Terminus, chambre 899. Ok, donc j'ai posé des questions autour de moi. Et la seule réponse que j'ai eue, c'est un nom. Lex Dexter. Un industriel spécialisé dans l'armement qui semble avoir un intérêt particulier pour la fille. Il a investi les derniers étages de l'hôtel Terminus avec ses hommes. Inutile de te dire que l'endroit est bien gardé, mais c'est pas ce qui pourrait arrêter un homme avec autant de talent et de ressources que toi. Je me trompe? Allez, bonne chasse. Très bien! Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, je suis de retour de vacances. Et nous retrouvons donc l'agent 47 qui n'est plus trop l'agent 47 car comme on a pu le voir dans la cinématique et comme on le voit maintenant, il a tranché son code barre sur la tête. Et on se retrouve, excusez-moi pour les petites affiches de Steam, je suis désolé. Et on se retrouve donc en mission, on doit aller dans un hôtel pour aller tuer quelqu'un pour obtenir des informations sur le pourquoi du comment Diana avait protégé la jeune fille. Alors, on a quoi à disposition? On a juste la corde de piano et un petit gun, parce que je vous rappelle effectivement qu'on avait donné nos armes à notre informateur, à Birdie. Bonjour toi. Et donc, on est parti. Ok. Alors, apparemment, il y a deux entrées. On va s'avancer déjà dans la rue. Donc, faut qu'on rentre dans le terminus qui est face à nous, déjà. On verra après ce que l'on peut faire. Alors, je pense qu'on pourrait passer à droite là-bas. On peut bien sûr passer tout droit. C'est beaucoup moins drôle. J'aimerais bien faire quelque chose de plus rigolo. Alors, je pense qu'on peut passer par là, là, regardez. Il y a l'air d'avoir une petite descente. Alors, soit on passe par là. On va continuer à visiter un petit peu, hein, tant qu'on est incognito et qu'on ne fait rien. Ouh, elle est jolie la voiture. Regardez-moi ce pare-buffle avec des cornes. Absolument fantastique. Je peux déclencher une alarme de voiture, c'est bon à savoir. Donc là, c'est la porte d'entrée, je pense que je peux y passer. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'il y a? Merde, ça alors? On vous laisse dehors par un temps pareil? C'est pas humain. Ils sont en train de décharger les objets. Donc cette mission, donc bien entendu, je l'avais déjà fait, je le répète encore et toujours. Par contre, celle-là, je l'avais fait qu'une fois et ça fait un petit moment déjà. Donc je me rappelle pas de grand-chose. Je pense qu'on va passer par la porte d'entrée, écoutez. C'est à moi que vous vous adressez ? Ouais, vous, très là. Simplement. Personne monte, c'est interdit. Personne monte, c'est interdit, sauf que nous, il faudrait qu'on monte, en fait. Je suis un des clients de l'hôtel. T'as de la merde dans les oreilles ou quoi ? Je te dis que c'est un peu de bouge ton cul, connard, et on se reste poli. Ah ouais ? C'était quoi ? Va te faire foutre ! Voilà ce que c'était ! Oula ! On se calme, messieurs. On se calme. Alors, j'essaie de réfléchir un petit peu. Ah, attendez. Hey, ça avance les réparations. Je ne peux pas monter par les grands escaliers. Il y a un moyen de faire quelque chose. Regardez lui là. Oula. Tu m'écoutes au moins?
Je m'en tape. Tu sais, dans la... Je pense qu'on va pas passer par là. Ça n'a pas l'air d'être la meilleure solution. En plus, j'étais pas du tout passé par là quand j'avais fait la mission. On va essayer plutôt de passer par la petite échelle là que je vous ai montré juste ici. Hop là, on essaie de rester un petit peu discret quand même. Mais je pense que on va descendre par là. Et ce sera certainement plus facile. Oui, voilà, j'étais passé par là, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose et la sortie va être sur la gauche, je crois, non? Bon, je dis peut-être des bêtises, ok. Ok, bon, hop. Alors, est-ce qu'il y a moyen de regarder? Apparemment, personne. Très bien. On va prendre la clé anglaise. Parce que c'est toujours pratique. Et apparemment, il y a quelqu'un que l'on pourrait... On pourrait tuer. Ce qu'on va faire, écoutez. Oh punaise. Wow. C'est pas passé loin. On va cacher cette clé. Encore des gens. On sent. Oh là là là. Dans quoi je me suis lancé? On va rester accroupi. Hop là. Et de 1, alors lui, il va nous servir, quoi, juste très rapidement, le déplacer. Je me concentre un peu, hein, je suis en infiltration moi aussi. Hein. Est-ce qu'il y a un endroit pour le cacher? Bon, on va le faire tomber là-dedans. Alors, on va le lâcher d'abord, on va prendre son costume. Hop, comme ceci. On va le faire tomber dans le caniveau par où on est arrivé, là. Je pense que c'est plutôt jouable. Caché. Voilà. Plop. Voilà. Très bien. Donc, du coup, on peut passer comme ceci. On va cacher la clé anglaise. On va prendre ceci. On la cache également. Et attendez, il y avait quoi ici? Il y avait une arme. Mustang court à quel on court contre un modèle usé. Non, je veux garder mon flingue. On va pas changer. Je pense qu'on se fout un petit peu de ce qu'il peut nous faire. Alors... Faudrait que je passe par là-bas. Très bien. Alors, comme ceci, est-ce que c'est jouable? Apparemment, oui. Attendez. Parce que j'ai vu un objectif de porte. Ok, c'est l'ascenseur. Très bien. On va appeler l'ascenseur. Tu veux des tickets pour le match, hein, c'est ça? Non, j'allais juste te demander un café et un croissant, mais... Voilà, on a réussi à appeler l'ascenseur sans se faire repérer. Pour l'instant, ça se passe bien. Je sais plus comment on sonne. Allez, tu ne m'as pas repéré, tu ne m'as pas vu. Tu vas où là, mec? Mince, mince, mince. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. On a réussi à passer, mais je pense que ça va pas très très bien se passer. Hey, attends un moment. Laisse-moi voir ta sale gueule. Oh là là, ça a été une catastrophe. Je sais pas pourquoi il m'a repéré lui. Oh là là, ça va mal se passer. J'ai une mouche qui passe devant mon écran, ça m'énerve. Ce sera donc pas facile d'entrer dans la chambre 899 discrètement. Et pour rien arranger, il a un bien plus grand, vraiment coriace. Pas du tout, mais alors pas du tout les intrus. Je serais pas contre d'arrêter quelques étages plus bas et chercher un point d'accès plus subtil. Mais bon, pourquoi je me fatigue, hein? Un pro comme toi, il a sûrement un plan en tête, non? Allez, pense. J'ai aucun plan en tête, hein. Il a dit que j'avais un plan en tête, mais non. J'ai aucun plan. Comme vous avez pu le voir, je suis allé un peu à l'impro et ça va toujours être comme ça. C'est quand même plus rigolo. Et donc, il faut qu'on atteigne désormais le 7ème étage. Très bien. Alors, j'avais fait un plutôt... Je me rappelle plus trop, en fait. On s'en fout du score de toute manière. Donc, il faut qu'on réussisse à monter. Faut qu'on monte. Apparemment, hein, très simplement,
Donc on va observer un petit peu tout ce qui se passe. Il y a à peu près toutes les chambres dans lesquelles on peut rentrer. Et il y en a une qui va pouvoir nous permettre de grimper, tout simplement. De grimper à l'étage supérieur, pardon, où se trouve notre cible, justement. Hop, on peut saboter ça. Ça va faire sortir le mec qui est dans la chambre, je pense. Non, oui, non, peut-être. Ok, tout le monde s'en fout. Alors, la comment femme de ménage. Ça va très bien, ça va très bien. Va te faire foutre, mec. Espèce de trou du cul. Hop là. Non, personne ne m'a vu. Personne ne m'a vu. Ok. Alors, je pense que je peux cacher des gens dedans. Je peux prendre un extincteur, je m'en fous. Salut, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Attends, ce type. Il y a quelque chose de louche à propos de ce type. Mais non, 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 rien du tout. Viens là une minute. T'as un truc à faire dans le coin? Allô? La Terre appelle le chauve. Viens ici, je plaisante pas. Hey, tu dois penser que je suis vraiment con. Il est dans Houston, on a un impact. J'ai un petit peu foiré mon coup, je crois. Bonjour. Ah! Ah! C'est un fail! Tiens, hop là, un petit coup de tournevis. Je pense que je vais mourir. Parce que c'est impossible de survivre à une fusillade. Et surtout qu'il faudrait que je me cache. On va au moins prendre un gun. Oups. Je vise très très bien, comme on peut le constater. Oh bon sang. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Et voilà, je suis mort, donc c'est pas très très grave. On va recommencer au point où on était, à la sortie de l'ascenseur, je crois. C'est même quasi sûr, voilà. Alors, cette fois, on se concentre. C'était un peu un fail. On a réussi un petit peu à repérer les lieux, au moins. Bon, c'est pas très très cool, mais au moins, on a réussi. Alors... Désolé, monsieur. On a eu des problèmes. On a eu des problèmes, mais c'est très très bien. Raconte-moi ta vie, je m'en fous. Vous avez sécurisé alors, les escaliers. Oui, oui. Je peux aller là. Je peux aller là, c'est plutôt cool. Je m'en fous en fait. Ensuite. On ne voit pas, on se bagarre pas, et on ne saute pas les bonnes. Oui. Ok. Une alarme incendie. Ok, une alarme incendie pas très loin. Mais alors pour y accéder, ça va être coton. Là, je peux pas y passer, ça va être carrément suspect. Il y a apparemment eu un crime là-dedans. Ok, 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 non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne fais rien du tout. Partez loin. Et j'ai déjà perdu 1300 points, alors là. Alors là, c'est un succès. Absolument sans appel. Elle veut pas partir, elle. Elle veut pas partir. Ça y est, elle s'en va. Allez, hop. On passe par la fenêtre. Et on va essayer d'accéder, aux escaliers de secours. Là. On va juste ici. Donc là, pour l'instant, ça va. Hop, on descend un coup. Et oui, parce que c'est également de la plateforme. Hop là, on va se remettre par ici. Là, on s'en fout, on peut pas se faire repérer. Là, par contre, attention. On va pas y rentrer, hein. On va passer très simplement. Non, s'il faut que je descende. Non. Ah non, il faut peut-être que... Eh oui, je suis obligé d'y passer. Alors, là c'est pile ou face. C'est pile ou face. Attention. Non, non, pas vraiment. Enfin, je l'étais avant que ma femme ne couche avec le gérant de cette fruiterie en bas de la rue. Ok. Je sais pas du tout ce que je fais là. Ok, j'ai une carte d'accès. J'ai une carte d'accès. Ok. Je me suis pas fait repérer. Bon, il est un peu bigleux. J'ai une carte d'accès. On est passé tout à l'heure à côté d'une porte où il y avait une carte. Enfin, il y avait besoin, pardon, d'une carte d'accès. Alors, par contre, pour la retrouver, ça va être coton, je pense. On va essayer. On va bien essayer. Hop là. Et ni vu, ni connu. Voilà. Alors, où se trouvait cette porte? Où se trouvait cette porte? Certainement pas très loin. Alors, il va y avoir le truc avec les enceintes. À gauche.
Bah ici, regardez. Là, si je sabote, le gars va sortir parce qu'il y a de la musique en ce moment. Mais pour l'instant, j'en ai pas trop d'utilité. Tu sais, je vais m'allonger sur... Donc là, on essaie de pas se faire repérer. Hop. Parfait. Je voulais tout avoir. Ok. Ça se passe pas trop mal. Alors lui, par contre, va me gêner. Comment faire? J'essaie de réfléchir à un truc. Bon, j'ai déjà le tournevis. Comment on pourrait le distraire? Oups, il y a un mec qui arrive vers moi. Pourquoi il me dit quelque chose, ce type? Est-ce que c'est... Il y a un problème, là. Mais non, il n'y a pas de problème. Oui, toi. T'es qui, toi? Merde. Doucement. Laisse tomber. C'est bon, ça. Eh, mince. Ok. On n'a pas été très discret. Il y a un point de sauvegarde. On va s'en servir. C'est pas ma plus grande réussite. Apparemment, c'est passé. On va faire disparaître les corps. Ce sera toujours ça de fait. Hop. Par la fenêtre, hein, parce qu'après tout, elle est là. Autant s'en servir. J'ai failli passer par la fenêtre, mais j'ai pas eu le temps. Histoire de lui échapper. Et j'ai pas réussi à être assez rapide. Parce qu'il rentrait déjà dans la pièce au moment où je voulais passer, j'ai eu des petits bugs de déplacement. Donc écoutez, on a réussi à s'en sortir comme ça, c'est pas du tout réaliste, genre il y a eu un coup de feu, personne ne se doute de rien. Mais écoutez, c'est le jeu. On n'a pas un bon score là pour le coup, c'est vrai que moins 1300, on n'est toujours pas dans le positif. Et on arrive à l'étage voulu, en théorie. J'ai eu peur. Ok, on repasse dans le positif. Alors il va falloir passer par où? Par cette fenêtre, n'est-ce pas? Non, par... Par une porte qui est de l'autre côté, ok. Et je me rappelle, c'est un sacré labyrinthe par là, hein. C'est... C'est vraiment pas évident. Regardez, on va rentrer dans cette pièce. Non, on va pas rentrer dans cette pièce. J'y étais allé, je crois. Ok, ça passe. Ça passe pas trop mal. Ok, alors là par contre ça va passer difficilement. Et toujours cette mouche qui m'embête. Alors, c'est la porte qui est tout là-bas je crois. Ok, non, pas du tout. Donc là ils sont deux. Ce type. Oh, tu me connais ce pas, non. Pas ce type de... Attends une minute. Hop là. Ni vu ni connu. Hop là. Parfait. Ben on l'active aussi. Parce qu'on a quand même réussi. On a réussi je sais pas quoi d'ailleurs. Je crois que j'ai rien réussi du tout. Ça c'était l'endroit où on pouvait arriver je crois. Bon, ben génial. J'ai activé le truc pour rien, c'est pas grave. On essaye de continuer. Oh là, alors lui, si je pouvais l'avoir. Il est venu connu. Victime non désignée, on s'en fout. On a réussi à l'abattre. Ça fait toujours un de moi qui nous embêtera pas trop. Alors mince, là par contre, pour le coup. Par où il va falloir que j'aille? Ça, c'est la bonne question. C'est la très très bonne question. Où est-ce qu'il est? Ok. Alors il y en a un juste là, il y en a un autre là. Oh là là. Je vous raconte pas la galère. Hop là, on passe devant. Il est connu. On regarde. Ok, c'est bon. Hop là. Hop là, non. Bien fringué, mais tu sais pas où aller.
mec à mourir. Maintenant, écoute bien ce que j'ai à te dire, ok? Ah ouais! J'ai... Besoin d'aide? J'ai besoin d'aide ici! Petit, vite, vite! Vite! Ah! Ah, j'y arrive pas! Attends, ça... Merde! Je te déconseille de faire ça! Ok, on est foutu. Foutu pour foutu. On y va. Ok. On recharge. On recharge. On le tue. On tue. On tue. Ok, on l'a pas eu lui. Il est coriace. Il s'est pris une balle dans la tête lui. Encore? Non, c'est bon. Ah, c'est... Par contre là il y en a un je crois. Je crois qu'il y a... Ah oui, bonjour monsieur, vous avez un chapeau plutôt joli. Néanmoins, je crois que je vais devoir vous faire sauter la cervelle. Donc, encore un? Quelqu'un demande? Non, c'est bon. Bon, ben on passe. C'est un échec. C'est toujours un échec. À chaque fois, je vais faire une vidéo, de toute manière. À chaque fois, hors vidéo, j'y arrive plutôt pas mal. Et en vidéo, ce sera toujours un échec. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, pire, je referai l'émission en live pour vous prouver que je suis bon. C'est que là, j'ai une petite contrainte de temps, mine de rien, et... C'est pas la joie. Alors, on va passer par la bouche d'aération, parce que ça, je m'en rappelle. Hop là, on va jeter un coup d'œil. Ah, coup d'œil prudent. Et elle vaut un sacré paquet de... On voit rien du tout, à part des ombres. Donc, on va continuer par là-bas. Et oh mon dieu! Oh mon dieu, la mission se termine. Et donc l'épisode aussi. Donc on a un score tout à fait minable. C'est pas très très grave. On fait avec, on est content. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Vous pouvez bien entendu laisser un commentaire et ou un pouce vert. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires si vous souhaitez, pour ceux qui le veulent. Hein, je pourrais faire quelques lives où je referai l'émission, où je prendrai un peu plus mon temps et je ferai peut-être moins de bêtises. Donc, ou même pour des lives sur d'autres jeux, hein, laissez-moi votre avis si vous désirez des lives, ben on en fera. Et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt tout le monde, portez-vous bien, jusqu'à la prochaine vidéo, c'était Naphtaline.